الزول في اللون مازال نتاو كي يبقيني شدن غان في مزغان مازال نتكمل تموت من موريتاني اكن تزغام لاندي نايم مزيغان مقارن سنغا اسمها جيين كي كي ذن اثنين يقلن ذي مزداغ تموت كي موريتانيا امزورا ولم تذي ونيتي تخمغي مساحة مادة لالا تقضم سيف اللاس لدغا سي تمام موريتانيا موريتانيا يون تسير ديوران يون جيرانسن ونيس الحين يون كافر اموسون سيرثيث وين قار اموسو نمزا امزوران موريتاني نون زورنا موفمون بور لي زوتوكتون دو موريتاني دو سود وكين زماس سيري كان وينير ازول لك مس ازول ازول. Donc voilà, Monsieur Sirikan, je viens de vous introduire. Donc vous dirigez un parti politique en exil qui est le mouvement des autochtones de la Mauritanie du Sud. Ce serait bien si vous pouvez vous nous présenter vous-même. Je salue l'ensemble des spectateurs de la chaîne. Donc je suis Sirikan. Siré, ça vient de Osiré, ce que les Grecs appellent Osiris. Donc, fils de Dieu. Mais je n'ai pas cette prétention-là. Pour l'instant, je suis juste leader, un des membres fondateurs du mouvement des autochtones pour l'indépendance du Sud mauritanien. Les autochtones en Mauritanie, ce sont les Peuls. Moi-même, je suis un Peul. Les Peuls viennent de l'Égypte. Nous avons eu beaucoup de pharaons en Égypte. Le pharaon en Peul s'appelle Fari. Et il y a les Soninkés. Les Soninkés, c'est une grande civilisation aussi. Ils ont fondé le premier empire structuré avec une administration solide au 4e siècle après Jésus. Il y a les Wolofs. Les Wolofs, c'est la communauté majoritaire au Sénégal. Il y a également les Bambara, parce que l'empire Mandingue, c'était le réservoir d'esclaves principalement. Des Arabes. Donc, il y a beaucoup de Bambara en Mauritanie, et c'est de ces Bambara-là principalement qu'il y a aussi une autre communauté d'autochtones rasiers. Rasiers, ça veut dire qu'ils venaient voler nos enfants, nos femmes, les Arabes, qui s'appellent les Haratines. Je ne vais pas oublier une autre communauté qu'on cite que très rarement, ce sont les Serer. Par rapport aux des autochtones. Nous avons vécu en paix avec les Berbères bien avant l'arrivée de la première vague des Arabes en Afrique, qui se situe un peu, je crois, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, la première vague. Voilà. Donc les Berbères sont des autochtones. Malheureusement, les Berbères ont été complètement assimilés après la deuxième vague des Beni Hassan venus du Yémen, qui ont utilisé la méthode forte pour les arabiser et pour les aliéner. Et aujourd'hui, il y a très peu de Berbères qui revendiquent leur berbérité. Et comble de l'ironie, il y a des Berbères, les Znaga, qui ont un peu honte de dire qu'ils sont Znaga, parce que c'est devenu une insulte dans la bouche de ces colonisateurs arabes. Je parle de colonisateurs, parce qu'effectivement, on a assisté à une recolonisation avec l'arrivée des Arabes dans ces contrées-là. Voilà au niveau des autochtones que nous nous chargeons de libérer du joug des Arabes. Alors, les Arabes en Mauritanie, bien sûr, ce ne sont pas des Arabes. Hein. Ce sont des Arabes, des Berbères arabisés. أما السيري كان وقد من قام الحسنية نرك أنا الحسنية لهجة يتكلموا بها سي ان جالك سي با جالك سوري بي اتر ان لانغ مي ان غرو لو حسنية سي لا لانغ بار لاكيل سيكسبريم لي بيدان البيضان اي اوسي سي لا لانغ بار لاكيل سيكسبريم لي بربير عربيزي. C'est le dialecte dérivé de l'arabe classique. Donc aujourd'hui, vous allez avoir en face de vous un arabe qui a parlé le Hassania, et vous verrez, si vous connaissez le berbère, que c'est très influencé par le berbère.
La Hassania comporte beaucoup de termes amazighs, des berbères, dont les berbères Sanhaja notamment. Moi, j'habite une région qui s'appelle le Trarza. C'est là qu'on trouve l'essentiel des berbères de Mauritanie qu'on appelle les Znagues. D'ailleurs, le fleuve Sénégal, qu'on appelle Sanhaja, ce sont les Sanhaja. Ils portent le nom du peuple Sanhaji. C'est vous dire, la présence des berbères, elle est très lointaine et très ancienne en Mauritanie. Ce sont bien des autochtones. Malheureusement, en Mauritanie, il n'y a pas de courant de revendication de l'identité berbère. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont rendu les armes à la bataille de Chorboba. Il y a une bataille terrible entre les Maures et les berbères. Et suite à cette défaite, ils étaient obligés de rendre les armes et de se soumettre. Donc, c'est une assimilation forcée. Nous, les Peuls, nous les autochtones Peuls, Soninké et Wolof, nous ne voulons pas subir justement le même sort qu'ont subi les Berbères, c'est-à-dire perdre notre identité, parce que c'est en cours. Aujourd'hui, il y a par exemple des Peuls qui disent qu'en fait, c'est des Arabes. Voilà. Ils nient carrément leur identité d'origine. C'est peut-être en confort pour ne pas être persécutés, mais ça ne les sauve pas de la persécution. Parce que les Maures ont une volonté de blanchir la population. Ils sont obsédés par leur reconnaissance par la Ligue arabe, le monde arabe, qui sont arabes, alors que ces Arabes-là savent parfaitement qu'en fait, il y a très, très peu d'Arabes en Mauritanie. Ce sont surtout des Berbères et des Africains. C'est un peuple berbère et africain, la Mauritanie. أمس سيري كان وفلا دينير ذا شيء جاني مزيغ الموريطاني لسناقا وحنا ما كان تستحين كني سوثرني زرف أنسن كني يتخدم كن ويسلي بول ذا وولوف ذا ويار ذا شو ثني جانا وسنا عطمت والله تسجيل كني نخمع مساحة ما دلالة ذا شيء كي تسفهم ذا شيء نسيت تندكار تقوذي كنا على الحياة كنا لا بيرت دو لا فيرتي دو ريفونديكي لور دروا chez les Berbères, les Snaga, contrairement à d'autres peuples autochtones de Mauritanie comme vous, les Peuls et les Wolofs et autres, bien sûr. Et j'imagine, vous avez vu l'émission, l'interview que j'ai fait avec Mme Hamad Alala en parlant de ça. Oui, j'ai vu l'émission et j'étais très heureux. J'avoue, c'est la première fois que je vois une Berbère crier haut et fort qu'ils sont discriminés, que leur langue n'est pas reconnue dans la Constitution. Effectivement, dans la Constitution mauritanienne, les langues Pular, Wolof, Soninké ont été reconnues, certes tardivement, mais elles y sont. Mais cette reconnaissance n'apporte absolument rien du tout, puisque nous voulons qu'elle soit officielle au même titre que l'arabe. Et nous voulons que l'identité de la Mauritanie soit redéfini non pas comme un pays arabe et africain, mais comme un pays arabe, poulard, wolof, soninké et berbère. Monsieur Cyril, il y a eu beaucoup de génocides, notamment vis-à-vis de votre peuple, les Peuls, en 89, et puis il y avait les 28 Peuls qui ont été tués en 1990. La question, pourquoi le projet de la nation mauritanienne a définitivement échoué d'après vous? Alors, le projet de la nation mauritanienne a échoué pour deux raisons. La première, je dirais, c'est l'instrumentalisation de l'islam pour esclavagiser les Noirs et les aliéner. Donc, quand il y a eu le congrès d'Alec en 1958, où il fallait bâtir des fondations solides à une nation future arc-en-ciel, le Congrès a failli capoter. Et c'est un certain Sidi El-Mokhtar Ndiaye, quand les débats ont vraiment été bloqués, qui a dit, écoutez, vous les autochtones et vous les Bédans, je crois que vous ne voyez pas clair. Il y a bien un facteur commun pour la Mauritanie, un facteur qui vous unit, c'est l'islam. Et tout le monde a adopté l'islam comme ciment de la nation.
Alors que le ciment d'une nation, ce n'est pas la religion. Ça doit être la justice, l'équité, les mêmes droits pour tous les citoyens. Quand on reconnaît l'identité des Maures, on doit reconnaître aussi l'identité des Berbères, des Soninkés, des Wolofs, des Poulards et de toutes les composantes de la nation. Ce projet n'ayant pas été dans les rails et on s'est contenté de l'hypocrisie que nous sommes tous musulmans, eh bien, on l'a payé cash. Parce qu'en 1989, ce sont bien des musulmans mauritaniens qui ont égorgé d'autres musulmans, qui les ont tués, qui les ont déportés vers le Sénégal et le Mali. Plus de 100 000 peuples déportés au Sénégal et au Mali parce qu'ils étaient noirs et non arabes. Donc ça, c'est vraiment la première tare qui fait que le projet Mauritanie a échoué. La deuxième tare de la Mauritanie, c'est à force de vouloir se démarquer de l'Afrique noire, ils ont favorisé l'émergence de courants nationalistes arabes qui sont au peuple, c'est que le nazisme était aux juifs. Donc, on a laissé cette idéologie-là proliférer et elle atteindra son paroxysme avec le financement du parti basque mauritanien par Saddam Hussein. Et c'est ça qui a conduit au génocide. L'objectif de ce génocide-là, c'était d'éradiquer tous les autochtones du Sud. Fort heureusement, Saddam Hussein a eu l'imprudence d'envahir le Koweït. Il a été défait. C'est à partir de là qu'on a survécu. Si Saddam Hussein avait envahi en toute impunité le Koweït, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Il nous aurait exterminés. C'était ça le projet. Saddam Hussein savait très bien comment on gazait les Kurdes. Le parti basque mauritanien a fait comprendre à Saddam Hussein qu'en fait, il y avait des Noirs en Mauritanie, mais qu'ils n'étaient pas musulmans. C'est un mensonge, bien sûr, mais Saddam, de loin, il ne peut qu'accréditer tout ce que lui dit sa section de Mauritanie. Et il a envoyé armes et argent pour que ce projet soit réalisé. D'ailleurs, comble de l'horreur, donc le 28 novembre 1990, pour fêter l'indépendance de la Mauritanie, ces Maures dont le cerveau est gangréné par le bassisme et le nasserisme ont pendu 28 soldats d'appel au camp de concentration Inal. Je parle de camp de concentration parce que dans ce camp de concentration, il y aura plus de 290 soldats d'appel qui seront assassinés. C'est ce jour-là qu'ils ont vraiment tracé la frontière définitive entre le Nord et le Sud avec le sang de nos martyrs. C'était un point de non-retour qui a été franchi ce jour-là. Malheureusement, nous sommes restés naïfs, je pense quelque part paralysés par la peur, mais ce jour-là, c'est ce jour-là qu'il fallait prendre les armes pour la deuxième fois. Puisque la première fois qu'il fallait prendre les armes, c'est avec l'imposition de l'arabe, alors que ce n'était pas du tout dans le contrat initial en 1966, ce qui a conduit à la première guerre civile en Mauritanie. Certains trouveront le terme guerre civile peut-être exagéré, mais en tout cas, troubles majeurs, les premiers troubles majeurs de l'État de la Mauritanie ou de l'empion de l'État mauritanien, c'était en 1966, et c'est là que les Noirs ont formalisé pour la première fois leur lutte avec le manifeste de 19, qui recensait l'ensemble des manquements du régime de Mokhtar Oul Dada par rapport au congrès d'Alec, par rapport aux garanties auxquelles il avait souscrit qu'on aurait bien un État arc-en-ciel. Mais Seri Kahn, il y a un thème qui est qu'il y a un effet de la الجزائر المغرب تونس ليبيا استخدام انت سلمت وكنيها بعرضن ايران فان مزيغ النسن ذا شكل ولا وغادي موريتاني مشى موريتاني و
مهما كان تستخدم الاسلام داني اي وسوي وايض دوك ني دي لين يكلان لي اسكلاف دونك سي جو بو بيرميتر دو ترادوير سيت كيسيون ان فرونسي مسيو سيريكان دونك جي على انستار دي بيي نور افريكان الجزائر ماروك تونس ليبي ils utilisent l'islam à des fins d'arabisation mais en plus en Mauritanie j'ai remarqué que ils utilisent aussi l'islam à des fins d'esclavagisme donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça monsieur Sirikan exactement Alors, je vais donner une preuve simple que, en fait, les Arabes, quand ils sont venus dans l'Ouest africain, leur but, ce n'était pas d'islamiser. Il suffit de regarder le niveau d'éducation des Noirs qui ont été envoyés par les Arabes. En général, ce sont des ignorants. Ils ne s'occupent pas trop de l'école. Il n'y a pas d'école. Ils mettent même l'école coranique, ils s'en passent. Ce qui les intéresse, c'est le butin. C'est une civilisation de guerre pour avoir des butins. L'islam, on s'en fout. Et oui, carrément, ils s'en foutent. Parce que comment expliquer que des musulmans aient tué d'autres musulmans en plein mois de Ramadan en 1989? On l'appelle le mardi noir. Le mardi noir 1981, en plein Ramadan, là où on doit être dans la foi, là où on doit être dans le recueillement, ils sont allés dans l'est de la Mauritanie prendre des haratines, ça veut dire les mettre dans des camions, leur donner de longs couteaux et des gourdins pour dire allez massacrer les Kouars. Est-ce qu'un musulman va faire ça? En tout cas, un musulman qui a compris l'esprit. L'islam ne ferait jamais cela. En fait, l'islam n'est qu'un instrument, ils deviennent meilleurs. Ils sont là pour être pires, toujours pires. Donc, descendre dans nos villages. D'ailleurs, je donne un exemple. Les Wolofs, ils appellent les Arabes Nar. Nar, ça veut dire feu. Ils venaient dans les villages, ils brûlaient les villages. À tel point qu'aujourd'hui, les Wolofs les appellent Nar. En souvenir, bien sûr, des cris qu'eux-mêmes, ils émettaient quand ils rasiaient nos villages. Ils devaient dire « Gdounar, Gdounar, allumez le feu partout, allumez le feu ». Eh bien, les gens sont tellement habitués à cette sauvagerie, à cette barbarie, que pour leur donner un nom, ils ont bien vu que le mot qui se répétait le plus, c'était « Nar ». Ils les appellent « Nar ». Vous allez au Sénégal, vous allez vérifier cela. Ils appellent les mots « Nar ». C'est le sobriquet le plus abject qu'on peut donner à une communauté qui se dit porteuse d'une civilisation. Ils n'ont apporté aucune civilisation. Vous ne verrez pas de belles mosquées construites, vous ne verrez pas, une instruction des écoles, des universités coraniques laissées par les Arabes, etc. Alors, la particularité de l'Afrique de l'Ouest, quand même, de la Mauritanie, c'est que nous, en tout cas, notre peuple, je parle à titre personnel, je n'ai jamais été soumis ni par les Français ni par les Arabes. Avant que les Français ne viennent, nos rapports entre nous et les Arabes, c'était des rapports de respect. On a tué beaucoup de leurs émirs aussi, ils le savent très bien. C'est avec la France qui a pris leur parti, donc avec l'État mauritanien, qu'ils en ont profité pour régler les conflits. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour moi, l'islam apporté par les Arabes en Mauritanie, il n'y a eu aucun apport civilisationnel, il n'y a eu aucun apport religieux, il n'y a eu aucun apport spirituel. Le but, c'était de rasier des Noirs. De les castrer et de les vendre au Moyen-Orient ou au plus offrant. Et nous savons qu'à cette castration, plus de 80% des esclaves noirs mouraient par hémorragie. C'est ça la vraie réalité. ذي موريتانيا الجهديث وكنيا الجن ثموث من موريتانيا تيليا تو 63 سام زواروث نا تو 63 تعرف ولكن اذين موريتانيا تموث تين سلم كنيا
It's Wesson, si je peux me permettre de traduire cette question, qu'est-ce qui a fait la force des panarabistes en Mauritanie en faisant de l'arabe comme seule langue officielle et en plus de ça, ils décrètent la Mauritanie comme République islamique de Mauritanie? Bon, voilà, déjà, la République islamique de Mauritanie, je vous ai dit, c'est au congrès d'Alep, donc quand Sidi El Mokhtar Ndiaye a proposé l'islam comme ciment de la nation. On a dit, au départ, ils voulaient l'appeler, certains voulaient l'appeler République arabe de Mauritanie, l'autre République africaine de Mauritanie, et puis on a trouvé le compromis, République islamique de Mauritanie. C'est pas islamique au sens État islamique. Hein. Rien à voir. Il n'y avait pas derrière charia, la charia, il n'y avait pas ça. C'était islamique juste pour dire que l'islam est le point commun entre les autochtones et les Bédal. Voyez-vous? Monsieur Serikan, vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Serikan? Je viens de vous dire que l'islam n'est pas le ciment d'une nation. Une nation, l'État, c'est un concept nouveau en Afrique et importé d'ailleurs. Si on importe quelque chose d'ailleurs, il faut l'appliquer intégralement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait égalité citoyenne. Et or, on a assisté complètement à l'inverse. Ce sont les Bédanes qui étaient promus dans l'administration. Ce sont eux qui avaient accès aux postes les plus juteux. Et la domination est partie d'abord du pouvoir politique. Les Français leur ont donné le pouvoir politique. À partir du pouvoir politique, ils ont eu le pouvoir militaire avec l'épuration de l'armée. Donc, l'épuration de l'armée, ils ont commencé l'épuration de l'armée avec le génocide. Quand ils ont eu le pouvoir politique et militaire, le pouvoir économique et financier a suivi, tout cela conforté par le pouvoir religieux qui permettait de légitimer toutes les exactions. Jamais un guide religieux ne s'est soulevé pour dire arrêtez le génocide. Ils étaient tous complices, à l'exception d'une personne que je vénère. Un homme qui rentre dans l'histoire pour moi, c'est l'imam Bouddha Bousseiri. Il y avait un autre imam dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, Bouddha Bousseiri, pour moi, c'est le père fondateur, c'est le véritable père fondateur de l'unité de la Mauritanie. Parce que parmi les Maures, il y a effectivement de très bonnes personnes, mais ça, c'est un pléonasme. Dans tous les peuples, il y a des bons et des mauvais. Mais en tout cas, s'il y en a un qui a marqué les esprits, c'est bien Bouddha Bousseiri qui a osé dire à Muawiya ou le Sid Ahmed Taya, qui était le président de l'époque, qu'il faut arrêter de persécuter les Noirs, que le sang et la terre du musulman, elle est sacrée. On n'a pas le droit d'y toucher, c'est haram pour l'autre musulman. Et ça, il le lui a dit les yeux dans les yeux, paix à son âme. Ça a permis un peu de calmer la colère. Cette figure a quand même fini en prison. Les oulémas que nous avons en Mauritanie, la plupart sont des hypocrites. Ils ne sont là que pour s'enrichir. Ils n'appliquent pas les préceptes du Coran. D'ailleurs, il y a un cheikh actuel qui a arnaqué de pauvres personnes et qui circule en toute liberté. Nous avons l'ancien bras droit de Ben Laden qui circule en toute liberté à Nouakchott, pas inquiété. Donc ça, bien sûr, c'est une apologie du terrorisme. Après, il vient nous vendre que la Mauritanie est une armée centrale dans le cadre du mécanisme Barkhane de lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est du foutage de gueule. La Mauritanie est la base arrière du terrorisme, oui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les terroristes frappent le Mali, frappent le Burkina, frappent le Niger, frappent le Maroc, et puis la Mauritanie, ils n'y touchent pas. Il y a des accords secrets de ces terroristes-là, et la plupart de ces terroristes-là, leur maître à penser, ils sont à Nouakchott. C'est à Nouakchott ou à l'intérieur du pays. Donc, cela finira par leur exploser un jour à la figure. Mais nous, les Noirs qui avons un islam tolérant, nous commençons déjà à sentir l'effet de cette cohabitation au niveau djihadiste. Nous avons maintenant des peuples djihadistes au Mali.
Eh bien, il y a aussi des peuples très, très radicalisés en Mauritanie. C'est pourquoi une séparation claire, nette, sans animosité, serait la sécurité la plus utile pour nous, pour que nos enfants ne deviennent pas des terroristes demain et qu'ils viennent installer un État islamique chez nous et qu'ils nous tuent. Parce que c'est les enfants Peulsonnik et Wolof qui sombrent dans le terrorisme, ils ont le cerveau complètement lobotomisé, ils deviennent des Arabes. Et ils tuent leurs frères africains. دا شي كاين عطوك لي جن مس سيري كان تت تجيم ثلاك ذاك ذا انت في الساس تموت موريتانيا ايلين نوزكا سمورني نوان سي لا ريزون بور لاكيل فو بروني لا لايسيتي كوم ايتون لا سوليسيون بور ريغلي تو سي بروبليم دون دون لي جيو Disons ça, c'est en discussion. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je suis pour une république qui serait laïque, parce que la foi doit rester quelque chose d'individuel, personnel. Celui qui veut être musulman, il n'a qu'à être musulman. Mais celui qui veut être chrétien, il n'a qu'à être chrétien. Celui qui ne veut pas être musulman, il veut rester athée, il n'a qu'à être athée. Ça, c'est une affaire personnelle entre l'homme et son Dieu. D'ailleurs, l'islam, c'est ce qu'il dit. L'islam, quand on regarde le Coran, on doit rendre compte qu'à Dieu. Il n'y a pas de clergé en islam. Nous le savons tous. Donc, il faut vraiment faire sauter ce verrou de guide religieux qui ne sert qu'à masquer le véritable message spirituel de l'islam et à instrumentaliser l'islam uniquement dans le but de dominer les autres. Effectivement, je plaiderais cela si un jour on devrait rédiger la constitution des autochtones au sud de la Mauritanie. Aujourd'hui, le nom du pays est déjà arrêté et je vais vous le dire. Le pays, donc c'est un scoop pour vous. Notre pays s'appellera le Tekrour. Tekrour. Le Tekrour est un ancien empire africain qui a succédé à l'empire du Ghana. Et au Tekrour, il y avait tous les autochtones que j'ai cités. Il y avait même des Berbères. Donc il y avait des Peuls, il y avait des Wolofs, il y avait des Soninkés. Et il y avait des Berbères. Il y a des chroniqueurs arabes qui ont relaté le très bon voisinage qu'il y avait entre toutes ces communautés-là dès l'empire du Ghana. Donc, on n'a jamais eu de problème avec les Berbères. Jamais, jamais, jamais. Parce que je pense que c'était un peuple qui avait atteint un niveau de civilisation qui fait qu'il savait maintenir la paix. Maintenir la paix, avoir des relations de bon voisinage, très aisément. Pourquoi il n'y a pas eu de rivalité entre les Peuls, Wolof, Soninké et les Berbères? Parce qu'ils avaient atteint un niveau de civilisation très élevé. Comme je l'ai dit, les autochtones africains venaient de l'Égypte. L'Égypte, c'est elle qui a quand même fait découvrir l'écriture à l'humanité entière. Nous avons un savant africain, celui qui a le plus influencé la pensée du XXe siècle, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui a démonté aussi tous les mensonges de l'Occident, qui a montré que l'Égypte était bien noire, puisque Kemt, le nom de l'Égypte, c'est Kemt. Kemt, ça veut dire, carrément, dans la langue Wolof, ça veut dire qui est noir. Khum, c'est de Khum. Et quand on prend dans la partie Peul, on dit Khum. Et quand on regarde la langue Kemt avec les langues parlées par les CRR, Wolof, Soninké et Peul, il y a un radical commun qui montre sans équivoque que nous venons bien de cette région-là. Malheureusement, les égyptologues occidentaux étaient dans une approche coloniale, suprémaciste. Donc, tout ce qui était relatif à prouver que les Noirs avaient une civilisation, il fallait le taire. D'où d'ailleurs toutes ces statues en Égypte au nez cassé. Parce que le nez cassé prouvait bien le caractère négroïde. أمس سيري كاني وشو في نوين سليبل سلي وولوف بومباس لي سينين كي تسعم أزغ في ناس تلات نون تغال تسعم النوث ناسيونال مشا ماشي تمازيغ نا بربر كيلي لا ريزون بور لاكيل اون فو ريكوني ستاتيو دو نور ناسيونال لا بولونغ لو بول وولوف
le berbère, mais le berbère n'est pas reconnu comme langue nationale. C'est quoi la raison, monsieur Sénic? Ça, c'est pas ça, elle doit régler ça avec les Beydad qui l'ont assimilé. Ce n'est pas nous qui écrivons la Constitution, qui avons le pouvoir politique, militaire, religieux, économique et financier en Mauritanie. Là, la Hamada doit savoir qu'elle est dans le même bateau que nous. Si nous ne faisons rien, nous serons tous des Arabes. Aussi bien la Hamada que moi, Siré, qui vous parle, que tous les autres autochtones. Donc, la règle d'or est que les autochtones doivent faire le même combat, se réapproprier. Je vais juste la Ramada, très gentiment, parce que je l'ai remercié, je vais pas l'enfoncer. Il faut qu'elle sache que le peul Soninké et Wolof, ce ne sont pas des dialectes, parce que nous sommes un très, très vieux peuple. Et que de toutes les façons, on ne va pas prouver que l'Afrique est noire et est le berceau de l'humanité. Les hiéroglyphes viennent d'où? De Kemt, d'Égypte. Les hiéroglyphes étaient peuls. Ils étaient soninkés, ils étaient wolofs. Peut-être les Bantous, quand on va vers l'Afrique du centre, eux, il y en a certains qui s'en réclament pas. Il y a eu d'autres foyers de civilisation. Mais nous, Noirs, qui sommes actuellement en Afrique de l'Ouest, nous venons de l'Égypte. Le prouve dans notre langue est très simple. C'est que les crues en peul s'appellent Ilam. Ilam est l'ancien nom du Nil. Le Nil en peul, on l'appelait Ilam. Et aujourd'hui, quand le peul il voit la pluie, il parle de Ilam. Les crues, c'est-à-dire que l'eau va finir par remonter dans les terres argileuses qui retiennent plus l'eau et on va pouvoir labourer. Notre origine égyptienne ne fait aucun doute. Donc dire que ces langues-là sont des dialectes et qu'elles n'ont pas d'alphabet, l'alphabet de base, c'est les hiéroglyphes. On n'a rien à envier, par exemple, à d'autres peuples. Le fait que l'alphabet, qu'il y ait eu des traces d'écriture amazigh, peut-être très antérieure à la préhistoire, ne prouve pas que l'écriture amazigh est antérieure à l'écriture des Noirs d'Égypte. Pas du tout. Parce qu'on peut l'écriture, il y a une définition. C'est de la façon de transcrire sur un support le son de la langue. Donc si je fais une écriture qui ne transmet pas le son de la langue, ce n'est pas considéré comme une écriture au sens scientifique. Voilà, je peux bien trouver des graffitis très vieux. Mais quand on parle d'écriture, on parle d'écriture au sens scientifique. Nous sommes les premiers à avoir une écriture, à peu près les premiers, on va dire. Parce que peut-être que du côté de la Mésopotamie, ils avaient aussi une forme d'écriture qui est dite l'écriture cunéique. C'est un peu l'écriture à base de piqué, mais elle est beaucoup moins élaborée que les hiéroglyphes. Ça, c'était la première précision que je voulais apporter. À notre cher Lala Hamada, en l'encourageant vraiment à continuer, mais à faire cause commune avec nous. Donc, nous avons très bien l'écriture la plus ancienne. Le Pula Wolof Soninké ont un alphabet, c'est l'alphabet latin. Il faut savoir que l'alphabet latin dérive des hiéroglyphes, pour info. Et qu'il faut savoir que même l'arabe dérive du domotique. Qui lui dérive des hiéroglyphes. On revient toujours à la source. Donc, en fait, cette querelle-là, j'aimerais mieux l'avoir avec les Arabes qu'avec une autochtone comme moi. Les Berbères ont un alphabet très ancien. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un débat en Mauritanie. Est-ce qu'on garde les caractères peuls en latin ou est-ce qu'on les transcrit en arabe? Moi, je dirais qu'il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Si on essayait, nous, les autochtones africains, d'avoir des caractères africains, tout simplement. أمس سيري كان كي نوين تثلاث نوت تسيرون سيسكيل ثلاثينيث من القبيل
خرمي وش كيو كنا تشم ثلي ثلاث نرى لا Si je peux me traduire cette question, M. Sénécal, c'est que j'ai remarqué que votre langue, le peul, s'écrit en latin, en inscription latine, comme les Kabyles. Donc, est-ce que vous avez fait ce choix volontairement pour entrer dans la modernité? Non, en fait, on a choisi le latin, on n'avait pas le choix. Comme j'ai expliqué au début, les peuls sont dans plus d'une vingtaine de pays, nous sommes 50 millions. On communique, il y en avait d'autres déjà qui communiquaient en latin. Nous, on avait besoin d'une connexion avec notre communauté. Donc, on n'a pas voulu réinventer la roue. On s'est dit, si on communique dans un autre alphabet, on va perdre tout l'accès déjà à la documentation existante en français, le peul écrit en français. Et donc, c'est pour ça que le latin a été choisi. D'ailleurs, c'est même un arabisant, peul, qui a réussi à convaincre les Moors que c'était le soit le plus judicieux pour les peuples de Mauritanie. C'est comme ça que le débat a été tranché. Mais ils ne lâchent jamais l'affaire. Aujourd'hui, ils veulent absolument qu'on codifie notre langue en arabe. Moi, je vais leur dire, mais allez vous faire cuire un œuf. C'est ma langue qui termine. Dans quel caractère je la codifie? On n'a même pas demandé leur avis. Ça, c'est ce que je nous reproche. Nous sommes toujours en mode revendicatif. Donnez-nous ceci. Laissez-nous officialiser nos langues, laissez-nous codifier nos langues en latin. Nous avons un problème d'accès à l'état civil, facilitez-nous l'accès à l'état civil, sinon nous risquons d'être des apatrides dans notre propre pays. C'est ce mode revendicatif qui nous a servi. Parce que quand on tend tout le temps la main, c'est celui qui donne, qui domine. Et justement, il y a tout un travail au niveau du mental pour que les autochtones lèvent la tête et commencent à être maîtres de leur destin. Sortir du mode revendicatif et poser des actes concrets. L'acte concret, c'est le fondement d'un nouvel État où nous serons les maîtres du jeu, où c'est nous qui rédigeons la Constitution, où notre armée ne tirera pas sur nous parce qu'on est noir, puisque c'est ce qui arrive en Mauritanie quand même. Il y a beaucoup de bavures. Où on tire sur de jeunes noirs. La police est très répressive envers les noirs. Quand il y a une manifestation de Bédane, il y a pas de blessés. Il suffit qu'il y ait une petite manif d'autochtones et là, on sort les matraques, les gaz lacrymogènes, on coupe des mains. On emprisonne. Donc, ce deux poids, deux mesures, c'est sûr, ce n'est pas une république. Ou alors, c'est une république bananière. Ou alors, datière. تكدو ذن صمرنا تكدو ذن البنان سيدة دونك République bananière ou République datière. Monsieur Sérikan, j'ai remarqué aussi que vous parlez de peuples autochtones de la Mauritanie du Sud. Est-ce que ceci suppose qu'en Mauritanie du Nord, ils ont perdu leur âme ou se sont tous arabisés ou... Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est toute la Mauritanie qui est assimilée quasiment arabe. Quasiment toute la Mauritanie est assimilée arabe parce qu'ils ont très bien compris comment on peut détruire un peuple. Le premier mécanisme pour détruire un peuple, c'est l'éducation. Quand vous détruisez l'école d'un peuple, vous détruisez ce peuple parce que les gens deviennent ignorants. Et quand ils deviennent ignorants, ils n'ont plus de revendications. Ils deviennent des moutons. Ça a été utilisé même par la France. Nous savons comment détruire un peuple sans lui faire la guerre. Parce que la guerre, c'est trop coûteux. Il faut s'attaquer à son système éducatif. C'est vraiment la base. Parce que normalement, c'est à l'école qu'on doit apprendre l'histoire. C'est à l'école qu'on doit se cultiver. C'est à l'école qu'on doit apprendre le respect de l'autre. Alors, si je détruis ton école, je construis ma propre école, où insidieusement, je t'apprends qu'il faut respecter l'arabe, que l'arabe, c'est le plus fort, que l'arabe, c'est celui qui domine. Eh bien, tu vas avoir un avenir d'esclave, de dominé. Rien que par la... Moi, je l'ai expérimenté quand je suis un pur produit de l'école mauritanienne. Mais on va dire que je suis peut-être sorti un peu à temps, puisque moi, quand j'y étais, par exemple, au lycée, on avait des profs français en mathématiques, en sciences physiques.
Il y avait encore la philosophie. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, la philosophie n'existe plus qu'en arabe. Mais parce que la philosophie, c'était la science des sciences. Ils se sont dit, si on les laisse continuer à penser, il y aura toujours des cirés, des bocards qui vont nous embêter là. On va leur interdire de penser. Aujourd'hui, la philosophie en arabe va demander un peu de philosophie en arabe, alors qu'il a reçu toute son éducation en français. Voyez-vous, quand j'étais à l'école primaire, il y avait ce qu'on appelait primaire et collège, il y avait ce qu'on appelle IMCR, instruction civique et religieuse. Instruction civique et religieuse, le M, je ne sais plus. Morale, instruction civique, morale et religieuse. Je peux vous dire que c'est dans ce petit torchon qu'ils nous radicalisaient. C'était la radicalisation totale. Ces histoires-là, une femme ne doit pas saluer un homme, ou des versets du style « Vous êtes la meilleure communauté de l'humanité » qui fait qu'il y a cet égo du musulman, on s'y enferme, nous sommes les meilleurs, complètement absence d'esprit critique. Il n'y a pas plus prétentieux que cela. Et en même temps, ce sont toujours les Arabes qui sont autorisés à enseigner ces matières-là. C'est-à-dire que vraiment, ils diffusent à travers ces formations-là le formatage de l'esprit de nos enfants. Ça, c'est des matières qui devraient être interdites dans un État laïque, bien sûr, elles n'auraient pas lieu. Voilà pourquoi je suis pour la laïcité. Parce que dans les États où il y a du catéchisme, où il y a ces sortes d'instructions religieuses islamiques, on empêche l'enfant de réfléchir de lui-même, on le moule. Ce qui fait que quand il sera grand, il ne pourra pas s'ouvrir au monde, il va peut-être déclarer l'Occident comme l'ennemi à abattre. Et peut-être qu'un jour, il va faire exploser un gilet avec plein de dynamite. Moi, sérieusement, quand j'ai fait cela, je n'étais pas conscient de tout cela. C'est après, quand j'ai grandi, que j'ai compris pourquoi, en fait, que ce sont ceux qui font les programmes des écoles qui te dominent. Bon, je l'ai dit, d'abord, il faut savoir faire la différence entre islam et arabe. Je peux dire qu'il y a des confréries des autochtones qui sont beaucoup plus tolérantes que l'islam wahhabite qui nous vient de l'Arabie saoudite. Ce sont des gens qui peuvent rentrer dans une église et tout. كي كان يدمس ثقرا انت ذي وين ثكين يدي اسم لانك ماس سيري كان يكتمس لين وين يدي اسم دن اموسو اني غانفان مزوران موريتاني وانزول نا لو موفمون دي زوتوتون دي موريتاني دو سود كن يدي اسم هم ماس سيري كان اديف كان تود سا نتمتسين سمورلين توتلاين بكتلين ذينا نا لا ستيو سوسيو لينغويستيك de la Mauritanie, avec une gonzolines, la chikini jan la Mauritanie, sakin yut tout lait en français, saraf, machin, tassin tout laïen, eglan, dix, tmslaïen, sam français, the tmazir, the pearl, soniki, the wolof, tsiad. Nsalam, kumtiki tamoli, nigerzen, yam, tedi wintikir my mess, sirikan, akhdetin, hamad alala, mazen, no one is intended on a man of Mauritanie, a man, the earth among tmazra. يسنتان لغني شدن أمان إخبالي أنما مازال عندما تذيرن في مغاليسيا غردين أو دينير قيمات ذي ثلويث أوفار أوفار